many types of greetings are there? How many types of greetings are there? Yes? Que chez Ilunga, le préfet complet scolaire, les amis de David. Oui, monsieur, la rentrée scolaire chez les amis de David est effective. Vous pouvez le constater dans des salles de classe. Les enseignants et les enfants sont venus répondre présents. Nous avons déjà commencé avec les enseignements, comme d'habitude. Déjà à 7h, juste nous étions là, à 7h15, nous avons tenu notre rassemblement. À 7h30, les enseignements ont commencé dans toutes les salles de classe. Nous n'avons pas vraiment assez de difficultés que des petits retards que nous pouvons enregistrer parce qu'il y avait certains parents qui ne pensaient, qui ne s'étaient pas préparés pour que les enfants viennent étudier. Mais quand ils ont vu que les enfants sont dans des salles de classe, ils se sont aussi précipités pour acheter les uniformes, acheter les objets classiques afin de les remettre à leurs enfants pour qu'ils viennent répondre aussi et venir et commencer avec les cours. Donc un petit retard pour certains élèves. Oui, nous sommes une école privée. Notre école est parmi les écoles qui ont gardé les frais scolaires ou les minervales pendant plus de 10 ans sans les modifier. Donc nous soutenons les chefs de l'État. Il y a les autres qui modifient les frais scolaires du jour de chaque année, mais nous n'avons rien modifié. Cela prouve à suffisance que nous sommes derrière les chefs de l'État parce que nous ne modifions rien, nous gardons nos habitudes comme chaque année. Donc gardons nos valeurs habituelles, culturelles pour notre école. Nous demandons à tous les parents d'amener les enfants à l'école. Vous savez, une année scolaire, quand on élabore les calendriers, le nombre des jours est limité. Et par rapport au nombre des jours là, les parents doivent faire un effort à ce que les enfants commencent les cours les mêmes jours. Parce que ce qu'ils vont perdre là, ils n'auront jamais le temps de les récupérer. Donc les premiers jours est comptabilisé dans les calendriers scolaires. C'est pour cette raison là que nous demandons aux parents de ne pas traîner les pas, de ne pas mettre les enfants en difficulté, de ne pas laisser les enfants en retard, qu'ils viennent étudier parce que les premiers jours est bien comptabilisé dans les calendriers et ils comptent beaucoup plus dans les prévisions des matières des enseignants et ainsi de suite. Merci beaucoup.